Et salut à tous, c'est Raymond Ardoin qui est en train, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc aujourd'hui on se trouve pour une vidéo sur Rocket League, donc Rocket League. Donc vous savez, je crois que je n'ai pas fait de vidéo sur l'événement fièvre du printemps. Mais en gros il y avait des objets voilà gagnés comme avec l'hiver et avec Halloween. Donc voilà, donc vous avez des objets à gagner, des bannières, tout ça. Moi j'ai un petit peu farmé, mais bon après tourbillon je sais pas. Je le prendrai, je vais peut-être le prendre, hein, vous savez quoi. Et j'ai déjà acheté 3 caisses du fièvre du lapin, donc il y aura peut-être un pack opening sur ça du coup. Donc il y a tout ça à l'intérieur. Moi je voudrais bien avoir la bannière, peut-être des roues, donc celui-là, Illuminata, et puis bah voilà quoi. Puis bah Géosoul et Fleur du Printemps. Ouais, donc ce serait des roues que je enfin des objets que je voudrais pour le truc. Enfin pour la caisse. Donc alors déjà il y a eu une mise à jour sur le jeu, donc vous pouvez voir que il y a des tournois qui ont été rajoutés. J'ai pas eu le temps de les montrer, voilà, j'ai pas eu le temps. Voilà, donc il y a des tournois ici, donc je sais pas à quoi ça sert, mais j'en ai créé un et je crois que c'est vraiment pour les professionnels, parce que j'ai créé un tournoi, il n'y a personne qui a rejoint. Donc les tournois, on peut pas les faire en avec des ordinateurs, c'est dommage. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc voilà. Donc là du coup, on va jouer avec des joueurs en Rumble. De toute façon, vous savez qu'en Rumble c'est mieux. Ah, donc vous pouvez voir qu'il y a l'interface qui a changé, il n'y a plus le vieux fond dégueulasse. Avant, et vous pouvez voir aussi que s'il y a des bugs de go, il y aura un nouvel icône de bug de go qui va apparaître sur le côté, et même sur les pings, donc les pings qui est la vitesse de connexion, je crois, je suis pas sûr, mais voilà. Donc en gros, c'est une vitesse de connexion. Donc voilà, donc ça a bien changé, mais vous allez voir aussi un autre truc, c'est que maintenant. Je pense que ça me stresse plus en fait maintenant, mais à chaque match maintenant tu vois tes nombres de pièces que tu as remporté tout simplement. Donc vous avez vu, il reste que un jour avant que ce soit terminé, mais moins d'un jour d'ailleurs. Et ben voilà quoi, j'en profite pour faire cette dernière vidéo avant qu'il soit plus, parce que si après après il sera plus, du coup bah voilà quoi, c'est pour ça qu'il faut que j'en profite de faire des vidéos, enfin une vidéo dessus. Peut-être qu'il y aura une deuxième vidéo, mais ce sera, ça c'était pas encore prévu, mais il y aura une deuxième. Donc ce sera certainement la suite du vidéo, si on a une deuxième. Après il y a certainement, il y aura certainement une autre chance, voilà. Donc j'espère que cette vidéo sera pas publiée tout de suite, mais elle sera publiée peut-être à la fin de la semaine. Voilà, donc certainement un samedi. Ah bah mais non du coup. Parce que vous avez peut-être dû certainement voir sur la chaîne, il y a un premier épisode. Et normalement, bah, l'épisode Mad Max sera posté les samedi ou dimanche. Bah je verrai les gens, je verrai. Donc oui, donc merci du coup pour l'accueil de la vidéo Mad Max qui a tué en 2 gemmes. Donc je vois que vous êtes intéressé par le jeu. Donc ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à un jeu qui était gratuit à 70 boules et qui est gratuit avec le PS Plus. Donc vous savez les horaires. Donc la vidéo je la tourne le vendredi soir. Et elle sera postée soit le samedi, soit le dimanche. Mais ce sera plus posté le dimanche que le samedi, parce que le premier épisode, je l'ai posté à 5h du matin le dimanche. Ouais, ce dimanche-là, je l'ai posté à 5h du matin. Pourquoi vous allez me dire? Parce que j'ai mis ma postcard en mode repos pour que la vidéo soit postée, tout simplement. Donc vous pouvez voir que maintenant, il n'y a plus le bleu ciel qu'on avait sur les trucs, enfin sur les... les noms, parce que avant t'avais en bleu, en fait les autres joueurs c'était indiqué en bleu, donc pour nos coéquipiers, en orange pour l'équipe ennemie, et pour nous c'était en bleu ciel, et du coup bah ils ont arrangé ça. Bon, moi j'aimais plus avant en fait, parce que je pouvais me repérer
sur tous les joueurs, tout simplement. Voilà quoi. Ok, donc j'arrive, je me fais exploser ma race. Voilà. Donc là elle rentre pas, ça je sais. Donc les gens, la vidéo, vous voyez la vidéo, parce que vous allez voir la fin de la semaine, mais en gros cette vidéo là je la tourne avant que j'aille en stage, donc avant qu'il y ait une vidéo le mercredi et une vidéo le samedi, voilà, et puis ensuite j'en prendrai mon rythme de vidéo de base. Mais pour cette semaine là du coup il y aura la vidéo donc aujourd'hui qui a été postée, et ensuite normalement mardi soir je tourne la vidéo, je la poste demain, donc le mercredi. Et ensuite j'attends le vendredi soir pour la tournée, pour ensuite la poster le samedi. Voilà, donc ça peut-être apparaître 3 jours que je n'ai pas fait de vidéo. Mais si vous avez vu entre guillemets ma FAQ de ma chaîne, enfin FAQ, bah non, parce que je réponds pas à vos questions, mais en gros la FAQ de la chaîne quoi, comment ça va aller dans les prochaines semaines et tout ça. Donc voilà quoi. Donc pour l'instant les gens, je peux pas vous faire de live pour l'instant parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire de live pour l'instant. Donc il y a juste des vidéos Fortnite intéressantes. De toute façon là il y a aussi un tuto Fortnite qui sera posté dans le dimanche aussi. Le dimanche de la semaine dont je vous parle là, donc dans 6 jours. Dans 6 jours il y a un petit tuto pour danser dans le hub. Je vous dis pas plus. Je pense que j'ai aussi la technique. S'il le fait, c'est un putain de copieur. Parce que les gens, c'est moi. C'est moi qui les découvre. C'est moi qui l'ai découvert ça. Parce que je ne savais pas du tout. Du coup, bah voilà quoi. Je ne savais pas du tout que on pouvait. Faire ça. Voilà. On marque un but. Donc un but sur 4, ça va être compliqué à faire tout simplement. Donc on va faire peut-être 5 matchs, même un petit peu, ouais 5 matchs normalement. Bah voilà quoi, ensuite on se laissera là-dessus. Donc à propos des vidéos à venir, actuellement il y a une vidéo GTA que j'ai fait, donc elle dure 1 minute. Parce qu'on était en plein délire et on avait fait une sorte de, bon, moi, je vais pas vous dire, mais on a fait une sorte de course improvisée, donc voilà, je vais pas vous dire plus. Mais la vidéo sera certainement postée, je ne sais pas quand. Je vais pas vous dire date de poste, enfin date de poste de vidéo, parce que après je vais pas m'en souvenir, donc déjà il faut que je m'en souvienne que ça fasse la deuxième épisode de Mad Max. Donc j'ai pas trop joué de masse à Mad Max, parce que en fait Mad Max j'aime bien le jouer en vidéo en fait. Parce que dans le let's play, je vous ai dit que je farmerai un petit peu sur le jeu. Mais en fait, quand je suis hors vidéo, comme ça, j'ai pas trop envie d'y jouer en fait. J'ai envie juste de laisser tout simplement la série de le faire en vidéo tout simplement. Donc ça dépend aussi, les épisodes dépendra. Donc ce sera certainement 50 minutes, 40 minutes à tout péter. Donc pour faire la durée de la vidéo. Donc les vidéos Mad Max seront forcément postées à 5h du matin ou 6h du matin, parce que je vais laisser un PS4 en mode repos. Donc c'est pour ça que je vous dis. Oh la petite feinte. Mais dans tous les cas on attendait les gens, parce que on est à 3 buts et il faut encore marquer 2 pour égaliser. Et donc dans tous les cas ça va être mort. Surtout quand on joue contre des pros. Donc voilà quoi. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Rien, juste me concentrer sur le match. Bon, ou pas, hein. Voilà, ou pas, parce que. Oh ben, c'est mort. Ah, bah. Ouais. Ah, quelle bonne partie, on va leur dire GG. Putain, mais il a des roustillés, lui. Oh putain, il a des roustillés. Donc voilà, vous pouvez voir que maintenant ça indique. Oh, ça indique maintenant les jetons comme à chaque fois, enfin à chaque match, et ça indique du coup que j'ai gagné un objet. Donc cet objet là qu'on ouvrira après nos 5 matchs, donc voilà. Donc je peux pas échanger après contre un motif ou une bannière, mais je voudrais bien avoir une bannière, parce que les bannières j'aime bien en mettre. Déjà j'ai une bannière là que j'ai actuellement, que j'ai débloquée pendant un match, et ça m'a bien fait plaisir d'avoir une bannière joueur rare,
enfin genre très rare, pendant un match, donc ça m'a plu. Donc voilà quoi. Et je voudrais bien avoir une bannière. Tout simplement. Oui, donc ma voiture, c'est une voiture que j'ai fait. Hein. C'est voilà, c'est celle-là, c'est une voiture que. Oh putain le con. Oui, donc lui aussi là. Voilà. Sur quoi j'ai mis, bah évidemment. Oh, alors ça, cette passe était magnifique. Attends, je vais mettre. Voilà, ça, je vais mettre. Wow, la magnifique passe pour ensuite enchaîner sur le grappin. Alors là, c'était beau celle-là. Donc voilà, moi j'ai mon truc, mon sticker, et voilà quoi. Donc il change à chaque fois, évidemment, il change à chaque fois. C'est-à-dire que là, j'ai des ailes et sur l'autre match, je crois que j'ai un chapeau. Voilà, j'ai un chapeau. Waouh, les trois harpons en même temps. Waouh. Putain, alors là, il voulait vraiment pas que je fasse entre là, bah putain. Ouh, Mika qui a réussi à arrêter la balle. Wow, wow, qu'avez-vous là, oh. Ah, j'ai pas visé. J'ai pas visé, les gens. Je sais pas viser au grand box. C'est incroyable. Ah, ouais, j'ai réussi bien à marquer. Non, j'ai réussi. Voilà. On va l'en faire un peu retarder de temps et on va aller chercher le boost là-bas. C'est un petit peu faire retarder le temps. C'est pas vraiment comme sur PC, putain t'as pas l'impression d'aller super vite. Oh putain je suis con. Ah oh, je suis con les gens. Ah non. Oh non ça va. Je sais que actuellement il y a beaucoup de. Bon, bah, je l'avais déjà dit dans la vidéo entre guillemets FAQ, mais je vais vous la redire, mais il y a beaucoup de vidéos Fortnite en ce moment. Parce que je vous l'avais dit, j'ai pas le temps de faire de vidéos GTA, de vidéos Minecraft. Minecraft c'est un petit peu abandonné sur le côté. Enfin, pour l'instant, Minecraft c'est surcoté sur la chaîne. J'en fais pas beaucoup. Enfin, j'en fais pas. Parce que pour moi, Minecraft, c'est bon, il y a eu trop de vidéos dessus. Et pour moi, trop de vidéos. Enfin, en tout cas, pour mon cas, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. Mais ça commence à vraiment me lâcher, quoi. De toute façon, là, ce que je me concentre plus sur Fortnite que sur les autres jeux. On y va rarement maintenant sur GTA, mais... Mais tout simplement sur ma Fortnite, de toute façon, dans la vidéo tuto qui va sortir normalement dans une semaine, vous pouvez voir mon level et tout ça, et il reste néanmoins. Bah, je pouvais pas arrêter. Il reste peut-être 10 paliers, mais moins de 10 paliers avant que j'ai le dernier skin du pass de combat. Donc l'acteur, je sais pas comment il s'appelle, disait-le en commentaire, même si il y a un personne qui va me répondre, mais c'est pas grave, oui, parce que je pose des questions en vidéo, mais bon, comme d'hab, il y a personne, ils regardent juste le début, et puis c'est tout, je suis pas un youtubeur, genre, pas. Pour l'instant, les abonnés, en tout cas sur ma chaîne, ne regardent pas entièrement mes vidéos, et des fois, genre, si un jour j'ai envie de faire une vidéo, enfin, où je fais un concours, genre je le dis à la fin de la vidéo, et ben il y a personne qui va voir le concours, donc c'est pour ça. Ben, bien sûr, j'ai jamais offert parce que ben, voilà quoi. Genre des. J'ai pas envie d'en faire déjà, premièrement. Et deuxièmement, parce que. Ben voilà quoi, parce que je peux pas en faire des. Je peux pas faire des. Des vidéos concours parce que pour moi, c'est cancer. Bah en fait, bah pour moi, c'est un peu cancer quoi. Donc les concours. Un peu quand même. Oh, allez. Et j'en ai ras le bol, hein, des joueurs comme ça qui savent bien jouer, j'en ai marre. Hein. Regardez. Ils sont tout le temps en octane. Regardez, ils sont tout le temps en octane. J'ai l'impression qu'en fait c'est une malédiction que tous les joueurs pro jouent en octane. C'est incroyable. Bon, soi-disant donc c'est la voiture la plus légère, mais quand même quoi, faut pas non plus abuser.
J'ai pas réussi à la prendre parce que j'étais un peu... Oh oui! Oh non! Oh non, putain, j'ai foiré mon... Putain, j'ai foiré mon... Oh, allez, il abuse, les gens. Oh, ok, adieu, adieu, adieu. Tu passes pas. On a pas fait le truc sauvetage. Oh, mais putain, ils savent pas prendre une balle, ça passe comment? Ça y est, regardez, ils arrivent pas à prendre. Oh là là. Oh putain, heureusement qu'on a un gardien d'exception. Hein. Arrêt, ouais, bon. Arrêt. Enfin, Mika là, putain, il est arrêté sur lui. Tu vas pas me dire que là qu'on a perdu là quand même. Ah, on joue que quand des joueurs trop forts. Regardez, c'est des joueurs trop forts. Laissez tomber les gens. On va changer de match. Voilà, vous pouvez voir, ça indique maintenant à chaque fois que des fleurs. Oh, et une caisse. Bah, tiens, une nouvelle caisse pour Paco Pony. Ça aime bien. Bon, bah, les gens, bah, on va faire un dernier match contre eux. Et si vraiment c'est impossible de les battre et de gagner un seul match, je quitterai, je relancerai. Un match avec d'autres personnes qui sont moins forts. Pardon, est-ce que je pourrais battre, voilà. J'ai le trompe de malin. Ah, Mika, il a quitté. Pff, oh là là. On dirait un putain de rageux, quoi. Ah, putain, il a quitté, là. Oh. Oh. Pour voir que vous pouvez gagner peut-être à chaque fois des objets ou pas, ça dépend. Voilà, pour voir que maintenant j'ai un casque des Gaulois, on va dire. Voilà, un genre de... Ben, les trucs qui étaient les Gaulois à l'époque, là. Ah merde, c'est à moi de jouer, bon, pas grave. Oula, alors... Mais pourquoi ils sont toujours ensemble, eux? Regardez. Ah bah, ben, c'est vrai, ils sont... Oh, ben, ils sont en groupe. Oh, oh putain, et lol. Putain, et c'est pour ça qu'on perd, ils sont en groupe. Ils sont en groupe, ils sont trop forts les mecs, regardez. Bah je comprends pourquoi maintenant, je comprends. Putain, vas-y, se casse-couille. En plus, j'ai des noobs avec moi, regardez. Expert, expert, expert. Putain, bah non, ça se voit pas que c'est expert. Hein. Putain, bah non, ça se voit pas. Hop, voilà. Je la renvoie bien en l'air. Oui, bah oui, voilà, bien sûr. Arrive bien à la contrée, bah c'est comme si... Oh là là, vas-y. Voilà. Putain, enfin. Enfin, je peux marquer un but. Enfin, je l'ai marqué un but tout à l'heure, mais bon. Vous voir que ma manière est super stylée, c'est une manière que je vais débloquer, du coup, quand je vous ai dit tout à l'heure... À la fin d'un match, et c'était le... Enfin, c'est peut-être pas le truc le plus haut que j'ai eu, enfin, je sais pas, je sais plus, mais... Je sais plus quelle bannière, enfin, quel objet incroyable que j'avais eu, enfin, je sais plus. Enfin, en tout cas, pendant un match, je sais plus. Bon, voilà, quoi. Oh là là. Oh là là. Regardez-moi ces commentaires. Oh là là, putain, en plus je sais pas jouer. Oh, je sais pas viser au harpon. Mais avant j'arrivais bien à viser, maintenant j'arrive plus à viser. Oula, oh goal, oh goal, oh goal, oh goal. Hugo, Loris. Ça me pique. Ah putain, mais ma jambe, les gens qui me piquent. Parce que j'ai du mal à me concentrer en jouant. Ça doit venir. Oh, j'ai fait ça sur mon propre allié. Putain, et lol. Lol. Sur mon propre allié. Quoi. Ok, j'ai réussi à le faire. Je sais pas. Bon, ça sert à rien. Pour avoir des points. Oh, putain, lol. Putain, mais regarde. Ils foirent tout leur passe en l'air, ça. Oh là. Oh oui, oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, oh non. Putain, je
toujours une merde, je rate toujours les attaques les plus bien. Enfin, le harpon et le gang box, c'est les trucs que j'arrive bien à faire. Et là, j'arrive pas. Oh, allez. Oh, le voleur de but. Oh, vas-y. Ces mecs-là, par contre, ils s'incrustent pour rien. Regardez. Regardez. J'allais le prendre. Et bah non. Bah non, parce que bah, le mec, il me le prend. Bah oui, bah, c'est sûr. Allez, voilà, c'est pour avoir le plus de points. Pour avoir... Bon, on est à égalité, mais bon, quand même, quoi. Faut pas abuser non plus. Oh, mais attendez. Ils abusent. Ils abusent. Ils abusent, sérieux, putain. Oh là là, voilà, je lui explose moi la gueule. Ouh, c'est dangereux pour moi ça. Voilà, bien sûr, bien joué, bien sûr. C'est normal de feindre les ennemis pour attaquer par en haut, alors en fait on attaque par le bas. Bah oui, regardez. Hop. On a cru qu'ils allaient attaquer par en haut, bah non, ils attaquent par en bas. J'ai besoin de boire. Alors là, alors je sais pas ce qu'ils ont merdé là, mais mais ils étaient à foutre quoi. Regarde lui, il... Ouais bon, ils sont peut-être pas pro, mais ils savent bien jouer quand même. Bah, maître et vétéran, tout à fait. Ok, le mec est vétéran, il est super fort. Ok, d'accord, je comprends. Regardez, vous avez vu? Oh là là, pff, il a marqué. Oh, allez, lol, allez, putain, et lol, regardez comment il marque. Le mec, il fait la fin, regardez, il fait la fin du turbo. Regardez, et là, on a tous foncé dedans, la balle, comme par hasard, elle est rentrée. Bah, voilà. What? Ok, il est dedans. Mais putain, il joue, tech machin, joue. Putain, voilà, il joue. Voilà. J'envoie la balle là-bas, il est là. On a 3-3 les gens, s'il marque un but on est mort. Oh là, allez, vas-y. Oh putain. Parfait, GG. Putain, heureusement qu'il était là lui hein. Cadré en plus, Zapir, il est cadré. En maintenant, pendant ces 40 dernières secondes, faut pas qu'on se fasse marquer un but. Sinon, on est mort parce que après, c'est impossible à marquer. À part s'ils font une grosse erreur, mais après. Voilà, comme ça, par exemple. Voilà. Des fois, faut utiliser le grand box pour défendre parce que moi, je pense toujours à l'attaque. Alors qu'on sait pourtant dans un match, on pense pas à l'attaque. Oh non, non, hop, on va te switcher la gueule toi. Oh ouais, vas-y. Ça retarde bien le... la balle. Ça va mettre un temps fou, attendez. Oh oui, vas-y. Vas-y, vas-y, toi. Foire tout mon plan. Oh, bon bah, on s'en fout, on a gagné, mais voilà. Regardez à chaque fois les mecs. Un peu marrant qu'à chaque fois on gagne des fleurs. Ok, on arrête à gagner, mais on va quand même quitter les gens. On va pas regarder le. Ah, ils ont mieux fait l'écran de chargement. Ils l'ont mieux fait. Donc on va pas regarder dans les garages et tout ça. On va juste changer de voiture. Voilà. On va prendre une meilleure voiture. Donc on va prendre cette voiture là. Et on va rejouer du coup. On va faire deux derniers matchs. Et je pense que ça va être bon.
Oh putain, j'ai eu peur, j'ai cru que mon portable avait plus de batterie. Je lui dis, arrête d'abuser, toi. Excusez-moi. En fait, Rocket League, c'est un peu dévancé sur le côté. Vous pouvez voir qu'il y a que 135 000 joueurs qui sont connectés. Donc, ça fait pas beaucoup de joueurs quand même. Hein. Pour un jeu bien, ça fait pas beaucoup de joueurs quand même. Hein. 135 000 joueurs, encore 140 000 joueurs, j'ai vu la dernière fois. C'était un peu un record. Mais là, des fois, il y a que 50 000 joueurs, genre dans la journée, qui se connectent, quoi. C'est-à-dire que c'est un jeu qui commence à être. Commence à être plus. Beaucoup joué et du coup bah ça fait que voilà quoi. Oui, les roues ne vont pas trop ensemble. Bon, ils sont orange mais voilà. Je trouve que c'est sûr que cette mesure-là, elle va bien, tu vois. Elle va bien. Enfin, c'est surtout, en fait, maintenant que j'ai un sticker du marché noir, bah, en fait, c'est abusé. Enfin, Mystery, c'est. Je mets tout le temps maintenant ces stickers-là, en fait. Enfin, ce. Ouais, ce motif, hein. Je le mets tout le temps maintenant. Oh là là, comment j'ai pu rater ça? Comment j'ai pu rater ça? Oui, je reste un peu au fond du terrain parce que s'ils assaut, voilà, genre comme ça, ils assaut. Hein? Ok, mauvaise idée. Oh, aïe, Jo, toi, t'es pas un peu un cheater, Bon, je vais arrêter de parler comme ça, déjà, parce que ça fait vraiment trop un télo ou je sais pas pourquoi. Ouais, tu vas pas toi, hein. Ah, c'est bon. Hein. Rush, rush. Oh putain. Ah, les gars, je suis pas professionnel, hein. Je fais pas de la compétition comme les autres joueurs là. Ils passent toute leur journée à faire de la compétition comme lui. Oui, je suis tout le temps des caisses. Vous pouvez voir? Moi, je suis pas comme ça, moi. Je suis pas tout le temps des caisses. Surtout des clés. Moi, je suis pas comme eux. Moi. Je n'ai pas un compte bancaire et je l'utilise comme je veux. Moi, voilà quoi. Moi j'utilise si je veux, mais va pas si je dis si j'ai déjà de l'argent, et voilà quoi. Voilà. Allez, voleur, voilà. Ça s'appelle des voleurs de but. Non, bon, c'était mon but, ça. Regardez, regardez le petit voleur, regarde, hop, c'est bon. Bah, je vais me mettre 50 points en plus, comme ça, ce sera fait. Bah, non, faut qu'il me vole. Bon, on n'a pas pu voir dans cette vidéo le. Enfin, peut-être ça va arriver, hein. Mais pour l'instant on n'a pas eu de voir le logo de Wi-Fi, donc c'est-à-dire qu'elle va bien. Parce que c'est des fois c'est ma Wi-Fi qui en prend un petit peu cher, vous voyez. Un peu ma Wi-Fi qui en prend un petit peu cher. Donc voilà quoi, j'essaye de le régler, mais des fois ça marche plus du tout. Vous volez pas mon but, alors là c'est mort, allez vous faire, c'est mon but. Regardez. Regardez. Hop, là il allait le prendre. Et bah ben là, non. Et là, boum. Je le reprends. Je fais une petite renversade et je marque.
Parce que moi je veux pas qu'on vole mes buts. Ou parce que je dis ça et puis après parce que je dis ça à Jaoui, puis Jaoui dit eh ben ouais mais toi de base tu fais tes 4 buts parce que tu voles les buts à tout le monde. Bah non, moi je veux pas les buts moi. Enfin je vole si vraiment la balle elle rentre pas quoi. Mais après c'est tout, je vole pas les balles. Hein. De toute façon c'est pas un jeu de compétition Rocket League. Hein. Ah non, voilà. Oh, oh putain les gars. Oh putain. Putain le con. Alors lui ça se voit qu'il sait pas jouer lui hein. Oh mais regardez. Mais regarde. Alors lui. Oh, je crois qu'on est tombé sur un noob. Mais putain mais sérieux. Regarde. Il aurait pu activer le truc avant. Mais non ouais non. On va, il s'est dit on va on a marre, on a déjà gagné d'avance. Bah non. C'est pas parce qu'on a 4 et que eux ils ont 2 qu'ils peuvent, ils peuvent très bien remarquer un but hein. Ils peuvent hein. Voir qu'il n'y a personne donc il faut qu'on va les rush, on va les rush. Voilà. Ah bah voilà. Voilà. Là on a officiellement gagné. On a officiellement gagné. À chaque fois j'entends ça, je me suis dit putain c'est Géo qui m'appelle pour dire et qui vient jouer. Je vous jure c'était ça. On va la faire ensuite un dernier match et puis bah on va se laisser pour cette vidéo. Voilà, je vais juste regarder l'heure, mais ouais 38. Je fais un dernier match et ensuite je quitte les gens. Enfin, j'arrêterai la vidéo là. Voilà. Vous pouvez voir que maintenant ça vous l'affiche à chaque fois, quand même. Hein. Et bon, ce sera pas comme ça tout le temps. C'est-à-dire que, genre. Au milieu de. Légende. Et légende. J'ai battu un mec légende. Je suis un expert, j'ai marqué 3 buts. Et lui, c'est un légende, il a marqué 2 buts, je crois. Donc, ça se voit que les gens, des fois, les mecs sont légendes, ils ont plutôt glitché. Moi, j'arrêtais de faire le glitch là qui permet de gagner d'expérience 60 000 par minute, par tous les 20 minutes. Je l'ai arrêté de le faire parce que tu dis, oh, au bout d'un moment, ça va être casse-couille en fait de le faire. Bah, surtout, bah, j'ai pas le temps, puis bah, surtout maintenant, Rocket League, voilà, j'y joue pas tout le temps maintenant. Enfin, à part que c'est des événements comme ça, je ferme un petit peu, vous voyez, mais. Voilà. Ça s'appelle par contre du voleur de but. Ça, vraiment, je l'avoue, ça s'appelle du voleur de but. Et allez, hop. Là, c'est il reste que moi sur la balle, donc j'ai pris et j'ai. Voilà. Ça va faire même pas. Ça fait 13 secondes que le match a commencé, je m'en tiens avec un but. C'est super. Hein. Oh putain, quoi le salaud. Ah, vous avez vu lui? Vous avez vu? Il s'est dit, je vais pouvoir voler les buts. Et bah non, nique ta mère. Bah non, tu voles pas mon but, regarde. Hop, j'ai un petit peu galéré. Puis là, si une demi-seconde après, j'aurais pas ma force frappée fort. Enfin, si c'est lui qui aurait tapé en premier, enfin, je serais très déçu parce qu'il aurait volé mon but.
Vous avez vu? Mais c'est des noobs. Attends. Ouah! Putain, mais... Oh la vache! Ils m'ont renvoyé! Oh putain, bah là par contre j'étais mal placé. Ok, bon bah j'allais prendre. Alors ça c'est dégueulasse ça par contre. Alors ça c'est dégueulasse. Regardez les gens, c'est dégueulasse. Regardez, c'est moi qui étais tout près de la balle et ça me fait toucher quand même. Ça c'est dégueulasse les gens, je trouve ça. Vraiment dégueulasse de voler le but. Et quoi? Et attends, c'est moi et j'ai fait deux buts et lui il a fait qu'un seul but, il a marqué. Enfin il y prenait. C'est abusé. Putain mais Putain, je viens de prendre le turbo. J'ai fait un tir cadré, même pas du tout en fait. Ni un centre d'ailleurs. Oula, je sais plus où est la balle. Je sais plus. Tiens, va voir la balle. J'ai touché les gens. Rien à foutre. Putain! Mais regardez, ils poussent. Regardez les gens. Ils poussent pour un but. Ils abusent. Putain, le... What? Oh, le jeu mot que je viens de faire. Ils poussent, ils abusent. Bon, je sais plus ce que j'ai dit. Pardon. Mais purée, ça fait un jeu de mots, comme ça, dès que j'ai remarqué que ça arrivait. Oh là là. Oh là là, putain. Les gens... Voilà, ça par contre je dis pas que ça vaut le but parce que je l'ai laissé pour lui. Ça je dis pas que c'est... Regarde, moi je voulais la marquer, vous voyez, mais je pouvais pas. Donc j'ai fait une passe, une genre de passe et puis ensuite bah, il a pris et hop il a marqué. Mais c'est des merdes, regardez, ils ont qu'un pauvre petit ordinateur parce que l'autre il a quitté. Regardez putain. Mais putain mais arrête de pousser toi. Bon bah ça me fait prendre le turbo mais quand même quoi, arrête de pousser. Oh. Oh putain, j'ai failli marquer. Genre. Attends, j'arrive. J'aime bien jouer cette voiture-là qu'avec l'autre, je trouve. Je sais pas où. Hein. J'arrive mieux à jouer avec cette voiture-là qu'avec l'autre. Oh là là! Oh les voleurs, vas-y! Les cafards! Putain, j'avais un gold box! Bah oui, bien sûr, mais il faut qu'il vole! Bah oui! Ça passe déjà. Oh! Les gens, si. Braca. Oh, il vient d'arriver! Oh! Ils ont quitté les deux? Oh, là, il n'y a que les ordinateurs qui sont entre guillemets de taille avec les joueurs d'avant. Oh, comment j'ai fait pour me faire tuer comme ça? Oh putain, mais... oh, putain. Ok, alors déjà.
Ah, Rocketeur. Oh, attention les gens. Oh, Rocketeur. Oula, ça y est, ça commence. Oula, les gens. Attention, est-ce qu'ils vont marquer un but? Je pense que oui. Je pense que non, en fait. Rien à foutre, les gens. Rien à foutre. C'est moi qui ai dernier but du match. Rien à battre. Attends, vous avez cru quoi, vous? Regardez, boum, je vole le but au dernier moment. Bon bah du coup les gens, on va retourner dans le menu et on va aller voir du coup voilà, hop, on me quittait. Je trouve qu'il est meilleur le chargement, je trouve le chargement est meilleur. Donc les gens, on a 28 médailles et on va aller voir du coup ce que bah on a gagné. Ouais, vous m'avez compris. Alors, il est où? Oui, donc aussi l'inventaire a été refait. Voilà, l'inventaire est plus pratique, je trouve, pour moi. C'est ici, donc c'est ça. Jonglerie. Et sachant que les gens, cet objet-là, je vais. Je vais. Comment dire? Je vais l'attendre d'avoir 5 objets pour le vendre, si je puis dire comme ça. Donc voilà, donc pour l'instant j'ai 7 caisses là, donc ça me fera 10 caisses, donc je ferai exactement 5 caisses victoire, 3 caisses fièvre, donc ça fait 8, et on fera certainement les caisses vitesse, parce que j'en ai 2, vitesse supérieure, et puis bah voilà quoi, en espérant que je débloquerai un mystery dès que je ferai la vidéo, donc pas tout de suite. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà, donc partagez la vidéo, laisse un pouce bleu, et moi je te dis ciao.